nous retrouvons le Naboténieux, Paladara et la reine du château, qui ont été téléportés dans le hall et qui se retrouvent face à un chevalier en armure jaune, possédant de longs cheveux raides et jaunes. Salut, Safar. Mais c'est quoi cette armure de merde? C'est ma super armure Nike. Je suis pas comme toi, moi. Je me freine pas chez Emmaüs. Putain, je t'ai cassé. Mais qui es-tu? Je suis le chevalier Bryce, le roi de la glisse. Aïe, et c'est quel pays ça, la glisse? Salut, ma belle. Qu'est-ce que tu fous ici, roi de la pisse? C'est à moi que tu parles, là? À qui veux-tu que je parle, connard? Franchement, avant de me parler, prends une échelle de pompier. Tu seras peut-être à ma hauteur. Putain, je l'ai cassé. Ce serait bien que tu nous dises ce que tu fais dans le château. Tu vois, mec, moi ce qui me branche sévère grave à mort, c'est les quêtes qui libéraient un château de l'oppresseur ou sauver la poule du roi. Aïe, et un chevalier paysan! Elle est pas très fut-fut, hein. C'est quoi ton petit nom? Mec, regarde voir un peu sa tête. De quoi? Tu vois le truc qui brille, là? Ah ouais, putain, j'avais pas capté. Eh merde. Cassé! Pendant ce temps-là, un petit peu plus loin dans le château, Fury, Nilo et la brute partent à la recherche du roi de la pluie et finissent par le trouver dans la salle visitée précédemment avec le paladin. Ah, eh bien alors, qu'est-ce que tu fais là, roi de la pluie? Je cherche le paladin. Tu te fous de notre gueule en plus. T'es assis sur une chaise à rien foutre. Je ne fais pas rien, j'attends. Et peut-on savoir ce que tu attends précisément? Le paladin va forcément revenir par ici. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ben, il a oublié son bout de pain. À propos de pain... Mais aïe! Arrête! Aïe! Et maintenant, on va à la porte. Et je suis d'accord, nous avons assez perdu de temps. Oui, on a assez perdu de temps. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est de ta faute. T'étais censé retrouver le paladin. Je l'ai pas trouvé. J'ai regardé partout. Il a disparu. Arrête de me frapper, s'il te plaît. La brute, je sais qu'il le mérite, mais s'il te plaît, un peu de retenue. Je peux pas, il m'énerve de trop. Aïe! Oui, mais j'aurais sans doute besoin de lui pour résoudre l'énigme. Fais chier, il s'en sort à chaque fois limite. Et ne t'en fais pas, tu les auras tes XP. Tes XP? Laisse tomber, tu sais pas ce que c'est. Mais j'avais rien fait! La brute, je croyais qu'on avait dit implicitement plus de baf. C'était juste une dernière pour la route. Retour dans le hall de cette porte, où Paladara, la reine et le Naboténieux se retrouvent face au mystérieux chevalier. Ah ouais, la reine de merde en bas. Ah non, vous vous êtes trompé, c'est Morenbank, avec P-A-C-H à la fin. Ouais, pareil. Hey Kevin. C'est à moi que tu parles, je m'appelle Raph. Ouais, pareil. Dis Kevin, entre toi et moi, la mèche, tu fais pas trop efféminé si je la mets comme ça, ou tu préfères comme ça? Putain, mais on en a rien à foutre de ta mèche à la con! Ah ouais, mais bon, moi j'ai eu une chose que ta moquette à 2€ de chez Carrefour sur la tronche, quoi. Putain, je t'ai cassé! C'est moi qui vais te casser en deux, espèce de... Non, non! Je proteste vivement contre cet engagement! Putain, trop naze, le chaudron qui parle. Franchement, c'est une vieille histoire de série télé débile, tu vois. Dis donc, jeune impertinent, voudrais-tu goûter à mon châtiment? Trop fort les rimes, c'est quand que tu sors un album de rap? Ah ouais, j'oubliais, t'es qu'un vieux chaudron pourri. Lune, je t'autorise exceptionnellement à te servir de mon enveloppe pour fuiter cet énervant fils de salope. Putain, la rime en hop, trop top quoi. Du calme, du calme. Dis-moi, chevalier Brice, ça te dirait de te battre à nos côtés pour sauver le château? Tu déconnes? On n'est pas vraiment nombreux, toute aide est la bienvenue. Ouais non, franchement, ça me dit rien de prouver ma super armonnaque trop top quoi. Tu vois bien qu'il sert à rien, maintenant je peux le taper? Dites-moi, chevalier Brice, est-ce que je peux vous demander un service une fois? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Véronique? Aïe, et je m'appelle pas Véronique, mais Aloïs. En fait, je voudrais que vous conduisiez au royaume d'à côté, comme ça je pourrais rassembler une armée pour venir libérer le château. Attends, il n'y a pas marqué taxi, là? Nabo, chaudron. À la réflexion, on va y aller, poupée. J'ai laissé mon canasson garé en double fil. À la bonne heure! Hé, le nain, en passant, samedi, je fais une soirée yellow. Ça te dirait de pas venir? Hé, Nabo, on dirait que tu l'as... Cassé, ouais, je sais. C'est durant cette scène épique, et non hippique, que Fury Nilo, la brute et roi de la pluie tentent de percer l'énigme de la porte protégée par un charme magique. Eh,
Alors, c'est quoi l'énigme ? Eh bien, il y a 7 symboles représentant 7 métaux différents, et ils semblent capables de s'enfoncer dans la porte. À mon avis, il faut trouver la bonne séquence. Et sinon ? Sinon, on risque de déclencher un piège qui peut s'avérer mortel. C'est une mission pour Roi de la Pluie. Hein ? Quoi ? Mais pourquoi moi ? Avec le vol que t'as eu jusqu'à maintenant, ce serait malheureux que tu foires l'énigme. Mais c'est pas que je veux pas, mais c'est dangereux. Justement. Je veux pas risquer ma peau sur cette porte. Mais Ou tu le fais, ou je m'occupe de ton cas. Bon d'accord, mais je sais pas sur lequel appuyer moi. Essaye or, argent, mercure, cuivre, étain, fer et plomb. Mais si ça marche pas. Mais Ça va marcher, appuie. Bonne chance, roi de la pluie. Aïe ! Bon, bah finalement, ça a pas marché. Je viens de voir une inscription sur la porte quand la foudre a frappé roi de la pluie. Je croyais que tu avais vérifié la porte. Et tu ne m'as pas laissé le temps de la regarder plus que ça. Eh bien moi, je n'y touche plus à cette porte. Mais Toi, tu fais ce qu'on te dit. Ça dit quoi l'inscription ? D'abord le soleil, puis la lune, viennent ensuite Mars, Mercure et Jupiter. Vénus et Saturne sont les dernières. C'est quoi cette énigme de merde ? Il y a des métaux sur la porte et des planètes dans le texte. Je capte rien. C'est peut-être basé sur des couleurs. Pousse-toi, roi de la pluie. Je vais essayer. Bah merde, c'était pas la foudre cette fois-ci. Quelqu'un a une idée ? On pourrait laisser cette porte tranquille et continuer. Mais Mauvaise idée, Furil. Je suis en train d'y réfléchir. C'est cornu tout de même. Je t'ai déjà dit qu'on dit couillu, pas cornu. Pendant que tu te creuses la cervelle, je vais essayer autre chose. Je vais reculer un peu. Putain, celle-là, je l'ai senti passer. À mon avis, le piège est proportionnel au degré de réussite. Plus tu approches de la solution finale, plus c'est puissant quand tu te trompes. Ah, c'est sympa, ça. N'empêche, tu viens presque de solutionner l'énigme. Il en reste 3 à trouver. Oui, mais les 3 derniers pourraient nous tuer. C'est pas faux. Je refuse de me faire pourrir par une putain de porte magique. Très bien, je vais essayer. Je recule de 3 mètres. Et merde. Ah, je savais bien que j'y arriverais. Furil Lailo gagne 500 XP pour avoir réussi à résoudre l'énigme. C'est pas juste. Je me tape tout le boulot et lui, il récupère des XP. J'aurais très bien pu me planter dans les 2 derniers. Ouais, bon, on va pas revenir là-dessus. On entre ou... J'entends quelqu'un qui vient. Et merde, et je suis même pas reposé. Fais chier. Retour dans le hall du château, quelques instants auparavant, au moment où le chevalier Brice semble émerger peu à peu. Ah mais quelle brutalité ! Ça va chevalier ? Rien de cassé ! Excusez-moi, mais je suis où et vous êtes qui ? Ah, ben le v'là amnésique sur le coup ! C'est le coup qui l'a rendu amnésique. Amnésique ? Il n'en est que plus sympathique. J'espère juste qu'il s'est encore monté à cheval. Chevalier Brice ? Oui. Vous pourriez me conduire au prochain royaume ? Oui, pas de problème. Alors ne perdons pas de temps. Prenez garde à vous, le paladin et le nain. Merci, noble Red. Vous de même. Eh ben, c'est pas dommage qu'elle soit partie. Pourquoi ? Elle est vachement cool, la reine. Son accent me faisait un trou dans la tête. Bon, maintenant faut qu'on retrouve les autres. Oui, tu as raison. Hâtons-nous de les rejoindre. L'équipe va-t-elle enfin se reformer ? Nos amis arriveront-ils à traverser les pièges qui parsèment le château ? Seront-ils assez forts pour les déjouer ? Vous le saurez en écoutant la saison 4 des aventuriers du château de Morhenbach.
Avant qu'on y aille, un petit truc vite fait. Quoi donc? Allez, j'attends. Mais qu'est-ce que tu attends? Bon, tu te dépêches. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Mais c'est pas à toi que je parle, pauvre tâche. Le paladin et le nain gagnent chacun 250 XP pour avoir sauvé la reine du château. Ah ouais, pas mal. Et paladin Raph gagne un niveau supplémentaire. Excellent. Et le chaudron gagne un niveau supplémentaire. Quoi? C'est quoi encore cette arnaque? Le chaudron compte comme un PNJ. Ouais, mais c'est mon arme, mais... Et s'il frappe, c'est lui qui tue, donc c'est lui qui gagne de l'XP. Ouais, mais avant, j'ai bien gagné de l'XP en utilisant le chaudron. Bah ouais, mais depuis peu, c'est un PNJ. Fais chier! Comment je vais monter de niveau, moi? Ben, tu peux changer d'arme. Ça va pas la tête! Bon, allez, j'arrête de te faire marcher. Enfoiré! Le nabo teigneux gagne un niveau supplémentaire. Ouais!